Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire. Cette affaire a été très médiatisée aux États-Unis. C'est pour ça que je vais revenir simplement sur les faits connus. Et qui reste à ce jour un drame particulièrement horrible. Cette affaire de meurtre qui a eu lieu durant l'été 2018, sur fond d'affaires de mœurs, est une étrange affaire, typique de celles qui ont longtemps défrayé les chroniques judiciaires aux États-Unis. La complexité du droit américain et les difficiles relations intrafamiliales n'arrangeront de surcroît rien au niveau des investigations. Le 14 août 2018, vers 2h30 du matin, son époux Chris Watt, âgé de 33 ans, se dispute encore une fois avec son épouse Shannon, 34 ans. Cette dernière, avec qui il a cependant eu une relation sexuelle quelques instants auparavant, trouvera la mort sous les coups violents d'un étranglement provoqué par la colère. Précisons que le couple battait de l'aile depuis un moment et que leur séparation était imminente, après plusieurs vaines tentatives de réconciliation. Leur caractère et leur aspiration de la vie étaient décidément trop opposés. Revenons plus précisément sur les circonstances qui ont amené fatalement cette fin tragique pour une jeune femme que rien ne prédisposait à mourir sous les coups de son époux. Chris Watt est né le 16 mai 1985 à Fayetteville en Caroline du Nord, dans un milieu familial bourgeois sans histoire. Son père, Ronnie, est manager dans une grande concession Ford de la ville. C'est son mentor, son héros, celui qu'il adule, son image de l'idéal américain en fait, qu'il rêve déjà d'incarner. Quant à sa mère Cindy, elle est secrétaire dans une concession automobile. Il a une sœur plus âgée, de 7 ans, prénommée Jamie. Il a une scolarité normale, sans accroc, mais reste un jeune garçon, puis un adolescent plutôt introverti. Très croyant, pratiquant, il incarne cette Amérique puritaine des années 2000, dont beaucoup rêvaient. Ainsi, l'alcool, les relations intimes, les produits stupéfiants sont-ils bannis de sa vie? Après le lycée, il intègre avec succès une école d'ingénieur à Morrisville, toujours en Caroline du Nord. Doué en mathématiques, curieux, intéressé, voire passionné, il effectuera divers stages professionnels au sein des usines Ford à Morrisville et à Longmont, dans le Colorado. Mais son rêve tourne court, hélas, et en 2015, il faut bien vivre, lui, le garçon modèle, rigoureux et très organisé, devient un employé d'une société pétrolière comme coordonnateur de terrain. Malgré sa grande timidité, il avait réussi à rencontrer, en 2010, par le biais d'une cousine, Shannon Russek. Après un premier passage dans un centre hospitalier où elle ne semble pas s'être bien intégrée professionnellement, elle devient très vite représentante en freelance, en complément alimentaire et de vitalité. Née en 1984, elle a alors 26 ans. Le caractère pétillant de Shannon, son dynamisme, sa vitalité joyeuse vont comme un gant avec cette activité qui la rend heureuse et lui fait bien gagner sa vie. Elle voyage beaucoup, s'investit énormément dans son activité professionnelle, notamment dans la promotion, le placement et la vente d'un produit amincissant phare, montré comme nouveau et révolutionnaire, le Tive, qui est une sorte de patch. Déjà très connectée sur les réseaux sociaux naissants à l'époque, sur lequel elle partage sa vie, ses expériences, ses souvenirs et bien d'autres choses. Elle est une influenceuse reconnue, apparue avant l'heure, une vraie visionnaire en quelque sorte. Elle a cependant quelques soucis de santé, affectée d'un lupus et souffrant de diabète.
Si elle n'a pas laissé Chris indifférente, leur rencontre paraît quand même assez insensée, car beaucoup de choses les opposent. Mais ils décident, malgré tout, de faire un bout de vie ensemble. Chris n'a eu que peu d'amis, hormis une courte relation éphémère d'à peine 6 mois auparavant. Sinon, personne d'autre. Cindy, la mère de Chris, et Jamie, la sœur aînée, n'apprécient que peu la nouvelle venue qui leur enlève et s'approprie leur fils et frère. Le ton est donné d'entrée et leurs relations ne seront jamais au beau fixe. Alors que dans la famille de Shannon, c'est plutôt l'inverse qui prédomine. Ils se fianceront en 2011 et projettent de vite se marier, ce qui sera chose faite en novembre 2012. Notons l'absence des parents et de la sœur de Chris à cette cérémonie, toujours en raison de relations devenues de plus en plus conflictuelles. Seule la grand-mère l'honorera de sa présence. 2 enfants, 2 filles naîtront de cette union, Bella en décembre 2013 et Céleste en 2015. C'est un petit miracle pour eux, car Shannon avait déjà eu du mal à avoir des premiers enfants. Mais la routine s'installe, et avec elle, l'autoritarisme et la mainmise croissante de Shannon sur son époux. Elle décide de tout, commande, organise, planifie et passe beaucoup de temps sur les réseaux Internet. En fait, pour elle, le regard des autres et le paraître étaient des raisons de vivre. Elle était comme ça. Lui, toujours resté timide et introverti, exécute et suit simplement. Ils ne se parlent plus vraiment, ne font plus de projets en commun. À la routine déjà bien installée s'ajoutent les difficultés financières inévitables liées au train de la vie de la famille. Shannon est dépensière. Les traites pour la maison sont très élevées. Les dépenses de santé plombent le reste. Cela creuse encore un peu plus le fossé entre les époux. Et le 1er juin, Chris rencontre une autre femme, Nicole Kesinger, dans sa nouvelle entreprise au Colorado, où la famille a déménagé pour des raisons de meilleur climat pour Shannon et les filles. Leur relation, purement professionnelle au départ, devient vite plus intime au vu de nombreux points communs qui apparaissent entre eux. Mais le 11 juin 2018, un malaise naît à nouveau dans le couple. Chris apprend, un peu brutalement par vidéo, que Shannon est enceinte et attend leur 3e enfant. Si tout va bien, elle devrait accoucher fin janvier 2019. We did it again. I like that shirt. Really? Really. That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says that pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Wow. Le couple ne se remettra malheureusement pas de cette nouvelle. Shannon et les enfants passent la majorité de l'été en Caroline du Nord en famille. Chris reste dans le Colorado au travail. Sa proximité avec sa nouvelle petite amie est inévitable. Le 4 juillet 2018, une violente crise secoue une nouvelle fois le couple. Après une dizaine d'appels téléphoniques, Chris rentre chez lui et une dispute éclate sans surprise.
Chris est chez sa nouvelle amie alors que sa famille est en vacances en Caroline du Nord, ce qui montre bien que rien ne va plus entre eux. Mais le 31 juillet 2018, ils s'envolent pour les rejoindre pour la dernière semaine de vacances. Mais cela aussi restera un échec. Les enfants l'exaspèrent. Il ne parle pas à son épouse. Ils cohabitent silencieusement. Ils rentreront chez eux le 7 août 2018, dans ce même climat délétère. Et c'est bien le 13 août 2018 que le drame aura lieu. Dans la nuit, Shannon, en proie à des problèmes d'horaire d'avion, rentrera très tard chez elle. Une relation intime tumultueuse s'ensuivra. Une dispute naîtra le lendemain matin au réveil, notamment au sujet de leur séparation envisagée et de la garde des enfants. Shannon sera tuée peu après par strangulation par Chris, excédé et les nerfs portés à vif. Ces versions varieront dans le temps entre la colère froide et la résignation. Il n'arrive pas vraiment à expliquer ce geste irrémédiable, mais reconnaîtra bien longtemps après qu'il l'a fait. Peu après 5h30, les images vidéo de différentes caméras l'attestent en effet. Il chargera le corps de son épouse dans son pick-up professionnel, emmènera ses deux filles avec lui. Comble de l'horreur, ces deux filles seront à l'arrière avec leur mère, inertes. Leur sort est hélas aussi scellé, car il les tuera également peu après, en les étouffant sous des couvertures, et les déposera toutes les deux dans des citernes sur son lieu de travail. Le drame est consommé dans son entier. Dans la suite de sa folie, et un peu cynique, Chris Watt prévient l'école de ses filles, qu'elles ne viendront pas ce jour-là et qu'ils vont mettre leur maison en vente. Le but est de faire taire d'éventuels questionnements. Vers midi, Nicole Atkinson, une amie de Shannon, est inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Elle décide de se rendre sur place, chez son amie, mais Chris, l'époux meurtrier, qui en est informé, essaie de lui en dissuader. En vain, car Nicole est déjà là, devant sa porte, avec son fils. Elle a avisé les services de police et les parents de Shannon. Okay.
Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are by the front door. She only has one vehicle? No, they only have the one vehicle in the work truck. Okay, that's what I'm asking. There's another. The girls went on a play date, but they're 4 and 2. They don't have a place to drive when she's in their car. They're both in the car. And she had a doctor's appointment this morning at 9, and she didn't go to the doctor's appointment. Okay. No answer on the phone. Husband's on his way. Le policier arrive sur les lieux. Nicole et Chris pénètrent dans la maison. Les policiers commencent à inspecter la maison. Les édredons des filles ont disparu de leur lit. Chris explique que les filles les emmènent partout avec elles. Cela surprend les policiers. Dans la cuisine, ils retrouvent le sac à main et les médicaments de Shannon. Chris tombe sur l'alliance de Shannon, posée sur la table de nuit de son épouse. Dans la chambre du couple, les oreillers traînent par terre et il n'y a pas de couette sur le lit. Les médicaments anti-asthme des enfants sont découverts dans la maison, ce qui est pour le moins curieux. Le téléphone de Shannon est retrouvé, éteint, sur la rampe de l'escalier. Il le rallume et tombe sur toute une série de messages non lus depuis 7h40. 7h40, SMS de Chris. Si tu as les enfants, dis-moi où vous êtes. Midi, SMS de Chris. Peux-tu me rappeler ? 13h19, SMS de Chris. Je rentre à la maison, sois là. 13h19, SMS de Chris. Où es-tu ? De surcroît, la vidéosurveillance du voisin immédiat et son témoignage sont accablants à l'encontre de Chris, qu'on voit très nettement reculer son pick-up au maximum vers 6h du matin, dans le garage. Il chargeait quelque chose, se montrait très nerveux. Des enquêteurs spécialisés en police technique et scientifique investissent la maison dès le début d'après-midi. L'impression générale qui ressort est que la maison a subi un grand nettoyage à base de produits actifs et puissants. Mais rien d'autre n'apparaît pour le moment et Chris reste libre. L'ami de Shannon poursuit de son côté son enquête, alors que la police, via le FBI, a lancé un avis de recherche officiel. Et pour ne rien arranger, sur les conseils d'un ami, Chris, qui ne s'est pas rendu à son travail, va donner une interview à une télévision locale. Non préparé d'avance, c'est une catastrophe annoncée.
Son attitude nonchalante, son manque total d'empathie, ses remarques parfois déplacées, son rire sarcastique aussi le rendent suspect. Quels sont vos noms et prénoms? Chris Watts, WATTS. Vous croyez qu'elle est partie? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. J'espère juste qu'elle est en sécurité et que les filles sont avec elle. Est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas. Mais si elles ont été enlevées et qu'elles sont en danger, je veux qu'elles rentrent. Ma question est un peu délicate, mais... Vous vous êtes disputé juste avant? Ce n'était pas une dispute, juste une discussion un peu tendue. Je préfère ne pas en parler. Je veux juste qu'elle rentre. Et pendant ce temps, l'enquête policière continue. Les policiers étant intimement persuadés que Chris leur a menti et est bien à l'origine de la disparition de sa famille. Son GPS professionnel, une fois analysé, révèle sa présence matinale sur le site professionnel qu'il emploie. Le premier interrogatoire, qui a duré 3 heures, le met très mal à l'aise. Et il arrive à se contredire plusieurs fois, hélas. Et lorsque l'interrogatoire reprend le lendemain, dans la matinée, c'est pareil. Entre-temps, une perquisition plus poussée effectuée dans la maison du couple fera apparaître un drap caché sous des sacs poubelles et divers autres preuves comme les appareils électroniques de Shannon, cachés eux aussi. À tout le moins, les policiers savent que quelque chose de grave est survenu récemment dans ce pavillon. L'intervention du père de Chris, arrivé en toute hâte sur les lieux, permettra très progressivement aux policiers du FBI de débloquer la situation. Chris passera lentement, très lentement aux aveux, après des passes d'armes avec la psychologie et les policiers qui changent plusieurs fois de stratégie. D'autant plus que les investigations menées dans la maison, sur les pièces à conviction et le site pétrolier où il a laissé les corps, commencent à livrer leur tragique secret. Dans un premier temps, Chris avouera à son père d'avoir tué Shannon, car elle avait fait du mal à ses filles. Tu vas me dire ce qui se passe? J'ai échoué au détecteur de mensonges. Tu as échoué? Oui, j'étais trop ému. Ouais. Et ils ne vont pas me laisser partir. Ils ont une raison de te garder? Ils savent que je l'ai trompé. Ils le savent. Je leur ai tout dit. Tu as quelque chose à me dire? Ce qui s'est passé ou autre chose? Comment ça? On a eu une discussion ce matin-là. C'était tendu et... Je lui ai dit que je voulais la quitter. Je ne veux pas la protéger. Quoi? Je ne veux pas la protéger. Tu ne veux pas la protéger? Je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu sais ce qui s'est passé? Elle leur a fait du mal. Elle leur a fait du mal? Ouais. Et j'ai dû la tuer. Tu as fait quoi? Je dois leur dire. Ce que tu lui as fait? Elle a fait du mal aux enfants? Aide-moi, Chris. Aide-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle. Elle. Quoi? Elle les a étouffés. Elle les a étouffés? Étranglés. Elle les a tués? Ouais. Elles étaient bleues. Toutes les deux? Elle les a tuées toutes les deux? J'ai craqué et je l'ai étouffé. Mon Dieu. Elle a tué Sissi et Bella. Elle les a étouffés. Et tu as craqué et tu l'as étouffé. C'était foudrage. C'est pas... Dieu Tout-Puissant, mon fils. Finalement, l'énigme sera résolue par les différents services de police intervenus sur place. Les trois corps retrouvés avec l'aide plus ou moins efficace de Chris, mais ses explications quant à la motivation resteront toujours floues. Empreintes de 1000 détails inutiles, peu compréhensibles en tout cas. Shannon a bien été entrée peu profondément avec les outils découverts et saisis sur place, et les fillettes immergées dans les deux réservoirs qui avaient été vidés aux fins d'analyse et d'enquête. C'est accablant pour Chris, et une découverte horrible pour les enquêteurs. Christopher Watts est mis en route pour son audience de mise en accusation au palais de justice du comté de Weld, le 21 août 2018, à Grimley. Chris fait face à 9 chefs d'accusation, dont plusieurs pour meurtre au premier degré, de sa femme et de ses 3 enfants. Chris Watts est escorté devant le tribunal pour son audience de mise en accusation, le 21 août 2018, ayant spontanément avoué avoir commis ces 4 crimes et plaidé coupable. Avant de prononcer la sentence, le juge Marcelo Kopko a affirmé qu'il s'agissait du crime le plus inhumain parmi les milliers de cas qu'il a vus durant sa carrière. En plaidant coupable, avec l'accord de la famille de la victime, Chris Watts avait évité la peine de mort. Après s'être débarrassé des corps, il a passé plusieurs appels téléphoniques. Un à l'école pour dire que les filles n'étaient plus inscrites. Puis un agent immobilier pour parler de la vente de la maison. Il a écrit à sa maîtresse pour parler de leur avenir. Tout ça ne dit pas pourquoi il a fait ça. S'il était heureux et voulait refaire sa vie, il pouvait divorcer. On ne supprime pas sa famille avant de la jeter comme des ordures. Pourquoi Nico, Céleste, Bella et Shannon devaient-ils perdre la vie pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils voulaient? Avant de prononcer la sentence, le juge Marcelo Kopko a affirmé qu'il s'agissait du crime le plus inhumain parmi les milliers de cas qu'il a vus durant sa carrière. C'est sans doute le crime le plus vicieux et le plus inhumain que j'ai eu à traiter parmi les milliers d'affaires que j'ai vues passer. Toute peine inférieure à la peine maximale amoindrirait la gravité de ce crime. Je vous demanderai de bien vouloir mettre l'accusé en détention et de le confier aux soins du régime pénitentiaire pour le restant de ses jours. Chris Watts passera le reste de ses jours en prison, sans possibilité de libération conditionnelle, après avoir plaidé coupable. En plaidant coupable, avec l'accord de la famille de la victime, Chris Watts avait évité la peine de mort. Au total, l'homme écope de 5 peines de prison à perpétuité, soit 3 consécutives et 2 concurrentes.
De plus, Chris a écopé d'une peine additionnelle de 48 ans de prison pour avoir mis fin à la grossesse de sa femme et de 36 autres années pour ses crimes en lien avec la disposition des corps. Au cours du verdict, la mère de Chris a affirmé, en pleurs, que sa famille l'aimait et lui pardonnait. Je m'appelle Cindy Watts. J'essaie encore de comprendre comment et pourquoi cette tragédie s'est produite. Certains se demanderont comment je peux me tenir ici dans de telles circonstances pour vous dire que nous sommes dévastés. Même si nous sommes incapables d'imaginer les raisons de ton acte, nous t'aimons et nous te pardonnons, mon fils. Chris sera donc incarcéré à vie, selon les lois américaines en vigueur, dans cet état et au niveau fédéral. Il racontera sa vie, reviendra plusieurs fois sur les raisons de son geste, sans vraiment convaincre ceux qui l'écoutent. C'est la fin de cette épouvantable affaire. J'espère du fond du cœur que jamais il ne sortira de prison. Je souhaite énormément de courage à la famille de Shannon et j'espère qu'elle repose en paix, ainsi que ses enfants. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.